Regardez les amis, je vous fais une mini vidéo pour ceux qui aiment bien. Christine, elle aime bien la forêt, les autres aussi d'ailleurs, mes autres abonnés. Alors regardez comme c'est beau. Oh. Regardez, j'en avais ça dans la cour. C'est des espèces de petits géraniums vivaces, vous voyez, sauvages. Ben, ils sont morts les miens. Ça pousse bien au soleil, vous voyez les amis, sans moi. Ça c'est des ronciers. C'est beau. Regardez, il y a des gens qui, bien sûr. Ça c'est plus fort qu'eux. Faut qu'ils jettent. Hein. Vous voyez les amis. Là, c'est des ronciers. Regardez, il y aura plein de petits animaux dedans. Plein de petits animaux. Regardez ça, c'est du fumier de cheval. Il y a des beaux fumiers là, c'est dommage. Hein. Là, il y a des gros tas de fumier, toi. Si j'avais un seau, c'est con. C'est dommage, j'ai pas de seau. Hein. Ah, ça sert à rien. Là-bas, il y a un bidon. Hein. Même là, ça en est. Regarde ça, toi. Regarde, il le jette là. Regarde tout là, il le jette. Le pailleux. Il le jette tout là, le fumier. Dans le coin. Ah, ça sert à rien, on s'en fout. Après, si c'est à quelqu'un. Ça fait drôle. Je préfère pas leur prendre. Hein, c'est embêtant. Regardez les amis. Il est tout en. Oh les petits oiseaux, comme ils vont être contents les amis. Oh là là. Oh. Vous vous rendez compte? Il y en a des beaux. Hein. Les petits fruits comme ça, ben, ils vont. Ça leur permet de bien se nourrir, vu avec les maïs un peu. Il y en a qui doivent taper dans le maïs et tout. Ils doivent manger du maïs, oui. Et puis c'est une grande haie comme ça. Elle est immense là, oui. Il y a une grande haie, oui. Ils doivent se cacher dedans et là, vous voyez. Il y a tout, c'est tout des, comment ça s'appelle, aubépins. Ils sont des petites fleurs comme ça, blanches, et après au printemps, vous voyez, des fleurs blanches, et après il y a des fleurs rouges, qui deviennent rouges, comme ça, non, des fleurs blanches, je veux dire, vous voyez, elles sont pollinisées par les insectes, puis après ça fait des petits fruits comme ça, vous voyez, des petits fruits comme ça, et ils ont, et ça on peut les mettre, je crois, dans des, dans de l'alcool, vous voyez, ils en font pour faire des massages, ou je ne sais pas trop, mais je les ai vus, qu'ils en font, il y en a, pour faire des choses, ils en font des trucs, vous voyez. Et là, vous voyez, ça c'est des ronciers comme ça. Là, il y a des trucs comme ça, ouais, des beaux orties. Des orties, des trèfles, vous voyez, il y a des trèfles. Et là, c'est des champs de maïs, vous voyez. C'est un champ de maïs comme ça, c'est beau. Hein. Un gros champ de maïs comme ça, regardez. Non, non, ça, c'est des trucs qui sont... Il y a là, le champ de maïs. Il y a un champ de maïs, là. Comme ça, puis il y avait des ruches. Alors, je vais essayer de voir si je peux les trouver. Je voulais vous montrer là, parce que ça vaut le coup. Je sais pas, il y a des varais, des ruches varais. Si elle revient sur ma chaîne, peut-être, elle y verra. Raël, je sais que Raël, elle connaît bien. C'est une apicultrice. Elle connaît bien les ruches et tout. C'est son métier. Elle pourra nous donner des conseils. Je sais pas, mon père les a vus. Je sais pas où elles sont, les amis. Je vois pas. Je sais pas, regardez. Je vous fais promener un peu. Je sais pas, oh, elles sont là, regardez ça. Oh, comme c'est beau, ici. C'est un copain, vous voyez, un mec qui est super sympa. Il nous a dit, bah ouais, prenez, on lui a demandé quand même, parce que c'est pas... On peut pas prendre le bois, les amis, ils ont demandé. Ça se fait pas, regardez comme elles sont. Je veux pas trop m'approcher, ce que je connais pas. Mais c'est des ruches, je vais vous approcher comme ça, regardez. Ceux qui connaissent, si elles voient, elles, ou d'autres apiculteurs, ou des spécialistes, qui aiment bien ça, qui connaissent, il y en a des amateurs qui connaissent ça, qui sont très chevronnés, hein. Vous voyez, vous me dites, les amis, ce que c'est comme ruche. Elles sont grosses, hein. Il y en a pas qu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Il y en a plus de 30, non? Il y en a un paquet. Hein. Oui. Et puis après, c'est comme ça, regardez. Là-bas. C'est beau, les amis. Je vais essayer de vous y rapprocher. Il y a quand même un petit village, vous voyez. C'est beau, hein? Il y a encore de la nature, quand même. Hein. Ah, pour les animaux, c'est indispensable. Regardez. Là-bas, je sais pas ce que ça fait, regardez. C'est comme une montagne. C'est beau. Il y a des arbres, c'est joli. Hein. Voilà les amis, oui, il y a un petit tout d'ailleurs. Il y a un peu de tout. C'est la nature. Voilà. Allez, regardez. C'est des petits sauvageons, c'est un espèce de ligustrum, des petits. Un peu des troènes sauvages, je pense, un truc comme ça. Je connais pas trop les amis. Les végétaux, j'en connais quelques-uns. Toujours les mêmes, un peu de trois bricoles. Faudra se renseigner, vous voyez, lire des livres. Pour bien ça, pour les végétaux de la région. Regardez, si j'avais ça. Ça, ça. Ça, c'est de la terre. Moi, c'est du sable. Il faut une parcelle comme ça, les amis, ouais. En plein soleil, pour faire du jardin et de la terre profonde comme ça. Regardez, il y a des maïs qui repoussent. Oui, ils repoussent déjà. Ah, bah, ils vont mourir. C'est des petits. C'est des petits
comment on appelle ça, c'est des petits tropicales, ils vont pas résister à l'hiver. Je peux vous dire que les pauvres, ils vont dérouiller. Hein. Mais du blé, ça résisterait. C'est costaud, les amis. Voilà, je compte, regarde encore le champ de poireaux là. Je vous le remonte parce qu'il est vraiment exceptionnel. Après, c'est dommage, c'est un peu des trucs pollués. Ils mettent des. C'est... Ils mettent des machins dedans, eux. Ouais, les amis, c'est des. Regardez, regardez, regardez. Je vais l'emmener, je vais l'emmener. Pour le petit rat, il serait content. Non, je vais le donner à mes petits oiseaux. Ils seront contents. Regardez. Je leur montre un peu, ça, ils seront contents. Ça leur fait un petit vélo, ça. C'est pas mal, c'est joli. Il y a des beaux trucs. Ah, c'est beau, hein. Elles sont belles. Ça fait ses ruches. Voyez, regardez, les amis. Comme c'est beau. Oh, c'est beau, regardez. Ils mettent beaucoup d'eau, regarde ça. La flotte qu'ils mettent. Oh. Vous voyez, c'est des poireaux comme ça. Ils sont beaux. Ils repiquent et paf. Vous voyez, un peu comme ça. C'est dingue, hein. Il y en a un paquet. Il y en a qui doivent venir. Vous savez, les mecs, ils servent. Mais enfin, c'est des poireaux qui sont toxiques. Ce qu'ils doivent avoir dedans, je peux vous dire que ça doit être dégueulasse. Hein. Ils sont, regardez, pas une piqûre, pas une attaque de rien. Ah bah les amis, ils sont bouffés par les... par tout ce que vous voulez. C'est plein de pesticides. Nous, on fait des petits légumes, ils sont pas beaux. Ils sont peut-être tordus. Ils sont bizarres, mes petits poireaux. Ils sont tout maigres parce qu'ils poussent à l'ombre, ils poussent dans du sable. Ils poussent pas dans ce qu'il faut. Mais ils viennent pas gros comme le doigt. Les plus gros, mais bon, ils sont pas pourris. Je peux les manger. C'est pas des trucs dangereux quand même. Après, bon, on peut pas. On est obligé de manger. Les gens, ils mangent qu'ils peuvent. Moi, je mange que je peux. Je peux pas, avec mon jardin, me nourrir. Mais c'est dommage, c'est regrettable, vous voyez. Regardez. Oh, comme c'est beau, les amis. Regardez ça, je sais pas ce que c'est, ça. Regardez ça. C'est un truc un peu, regardez. Ah, oh, ceux qui connaissent. Regardez comme c'est beau. C'est un truc, ça, les amis, ça doit être comme des machins un peu. Ils ont fait une espèce de champ, non? Vous en pensez quoi, vous? Pour, en attendant, une interculture? Non, je pense pas. Ils y font pas, ils sont bizarres, ils font des... Ils font tous des trucs un peu... Oui, des monocultures, ils s'en foutent. Oui, comme ça. C'est beau, il y a du lupin, il y a tout. Non, et là, il y a des machins, je veux dire, des petits trucs dans... Ça va couper, alors, c'est con, la vidéo. Regardez, il y a des soleils qui sont repoussés. Tellement c'est de la bonne terre. Oh là là. Oui, il y a un peu tout, les amis. Il y a des espèces de machins, c'est du lupin et tout. De la févrole, tout, je veux dire. Ils ont peut-être mis, vous allez savoir, pour nourrir le sol, je pense. C'est comme pour régénérer le sol, peut-être. Et là-bas, regardez, il y a des gros arbres et tout, je peux vous montrer. Puis après, on arrête là-dessus, parce que je suis foutu, j'ai plus de pile. Regardez ça, comme c'est beau. Oh. C'est beau aussi, les amis, ici, hein. Moi, où je vais, c'est beau, mais là, c'est beau aussi. Vous voyez, c'est un champ seulement pour régénérer. Je pense qu'ils ont pensé, ils sont pas cons. Ils ont raison, c'est mieux. Faut faire ça. Il y a ça aussi, les amis, que j'aime, moi, dans mon terrain. Je sais pas ce que c'est, pour ceux qui sont spécialistes, qui connaissent bien, hein. Hein, vous me dites, ça c'est un églantier. Mais pour ceux qui savent, vous me dites, c'est une espèce de liane. Et ça aussi, regardez, ça c'est pas les trucs des oiseaux, je sais pas quoi. Il y en a qui connaissent super bien, je sais, sur ma chaîne. Hein. Ils connaissent bien. Christine, elle connaît bien. Et puis plein d'autres connaissent bien, je sais. Vous êtes des spécialistes, vous. Vous avez le cerveau pour retenir. Vous avez le boulard pour retenir. Vous avez la tête. Vous avez le cerveau. Vous avez l'ordinateur. C'est du machin, c'est du... C'est une grosse programmation. Moi, c'est petit. C'est un petit disque dur. Vous, c'est des gros disques durs. Vous me direz, les amis, ceux qui ont des gros disques durs, ils me disent, oh, regardez, les amis, des bleuets, des trucs comme ça, je sais pas ce que c'est. Ça, non, c'est pas des trucs qu'il y avait avant dans les champs, non. Oh, c'est marrant. Je peux pas bien vous montrer ce qu'il y a mon père qui attend. C'est dommage. Hein, il n'est pas bien. Il m'a dit, mais bon, je vais pas trop le faire attendre. Oh, les amis, c'est beau. Je vous remonte un coup. C'est dommage qu'ils sont poisons. Ils sont magnifiques. Allez les amis, regardez ce qu'il y a. C'est les petits polonais qui font les pauvres. Voilà, les pauvres vieux. Allez les amis, une péride, regardez, une péride. Elle vient. Oh, bah, elle va en manger. Allez, à plus les amis. Des gros bisous, à plus. Je vous aime mes petits amis. À plus. Je vous ai montré ça, je sais que vous aimez bien les petits. Le bois, ça vous intéresse moins, ça vous intéressera plus. Je pense. C'est plus pour vous. Il faudra mettre un paquet d'humus là-dedans, regardez. C'est des produits, c'est tout. C'est des vases et tout, des espèces d'algues, c'est vachement compact le sol. Faudra que ça soit bien amélioré, oui. Ah, ils peuvent pas, qu'est-ce que vous voulez, c'est trop dur. Voilà les amis, à plus.